Bienvenue sur ma vidéo comment jouer Spy. Alors je vais commencer cette vidéo en cours de jeu. Vous voyez que la Spy c'est le 9ème classe. Vous pouvez vous déguiser pour infiltrer des bases ennemies, vous pouvez vous rendre invisible, vous pouvez poignarder vos ennemis dans le dos pour une mort instantanée et vous pouvez saboter les mitrailleuses. Alors j'explique. Si vous regardez votre Spy, il a un revolver, un couteau et une montre d'invisibilité. C'est les armes de base du Spy. Si vous tournez, il a un couteau, avec le bouton gauche vous pouvez tuer une personne instantanément. Un pistolet avec une sorte de petite croix, si vous êtes poursuivi ça permet de tuer. Un sap, c'est si vous mettez ça sur une mitrailleuse ou un distributeur, ça permet de détruire. D'accord, il faut que l'ingé le détruise et le tape dessus. Et vous avez ce déguisé, vous voyez que j'ai les 9 classes de 1 à 9. Alors je vais me déguiser en... donc vous choisissez un numéro, vous tapez dessus. Bah moi c'est le 8, on va prendre sniper. Donc je ressemble à Outrider avec la machina. Pour activer l'invisibilité, c'est le bouton droit de la souris. Personne ne vous voit sauf si vous vous percutez. Si vous percutez une personne ou si vous prenez des dégâts. Alors écoutez bien, ça fait un bruit bizarre. Et un certain bruit quand vous l'activez, écoutez. Et quand vous la relâchez au bouton droit, ça fait un bruit aussi. Vous pouvez recharger en prenant du métal, je vous montre là, ou alors en utilisant le dispenseur. Bouton droit de la souris pour rendre invisible et passer derrière les lignes ennemies. Allez, on y va. Voilà, je suis passé derrière. Et je vais essayer de sap la sentry et le dispenseur. Vous voyez, bouton gauche de la souris. Et s'il ne tape pas dessus, c'est détruit. Alors, il y a une sorte de petit timer en haut à gauche. Vous avez vu que j'ai réussi à détruire la mitraillette. Il n'a pas tapé dessus suffisamment tôt par rapport à ça. Allez, donc je vais essayer de passer. Alors, je vais essayer d'aller au spawn pour taper leur TP. Pourquoi? Oh purée. Oh bah, j'ai pas de chance, je suis auto-switch. Alors là, ça va être pratique. On va faire un peu différent. Ouais bah tant pis hein. Alors je suis côté bleu hein, bah tant pis hein. Hop. Donc vous voyez, bah là vous avez le même profil mais je suis côté bleu. Alors je vais essayer de passer. Bouton droit, vous voyez, j'active mon invisibilité. Je marche sur du métal pour recharger mon invisibilité. Et je me mets dans un endroit calme pour des cloques. Voilà. Vous voyez. Et je vais essayer de passer derrière une personne pour le backstab. Avec le bouton gauche. Oh, je sape parce que c'est trop tentant. Voilà. Et je mets derrière cap shoot. Et je vais le backstab en utilisant le bouton gauche de la souris. Vous voyez, oh, mince. Alors j'ai pas réussi. Parce qu'il a bougé. Si vous êtes pile derrière, vous allez avoir une sorte de... Votre couteau ne sera pas tout à fait la même organisation. J'ai réussi à détruire la mitrailleuse, vous voyez. Alors... Je vais essayer de... Oh, bah, trop tard. Je voulais finir le pyro, mais le heavy m'a tué. Bon, alors, c'est pas grave, même si on perd. Je vous ai quand même montré le base du sap. Quand vous sapez, vous ne perdez pas votre déguisement. Je vais changer de déguisement. Je vais prendre ingénieur. Et voilà. Dès que vous prenez un coup, donc vous percutez quelqu'un, vous n'êtes plus invisible. Oula, il y a une Uber qui arrive là. Je vais essayer de passer derrière. J'ai vu un soldier, oh bah trop tard. J'ai vu un spy démo passer, hein. C'est l'anti-spy par excellence, le spy. Donc il y avait une sorte de spy démo. Je prends pas le TP parce que je suis assez rapide comme classe. Sauf habillé en... Bah lui il a un Kriegsrig, alors comment voulez-vous gagner avec un Kriegsrig? On pourra m'expliquer, hein. Alors, bouton droit, j'active. Bouton droit, vous voyez. Je vais essayer de me mettre derrière le médic. Voilà, je backstab. Vous voyez, bouton droit quand c'est désactivé. Je passe derrière. Je tue en un coup, hein, si je backstab les personnes. Je prends le métal pour recharger, vous voyez ici.
Voilà. Plus c'est gros, plus ça recharge vite. Si c'est petit, ça recharge doucement, je vous montre. Voilà. Je vais me cacher dans un coin pour recharger. D'abord, je vais vous montrer le gros pour recharger. Vous voyez? Ah non, ça c'est le moyen. Bon, là c'est mort. Donc, à part si tu veux jouer le héros, c'est pas facile. Il y a un pyro. Je vais me cacher dans la baraque en essayant de taunt et en taunt killed. Avec ce taunt. Vous voyez voir. Ouais, je vais mourir. Ouais, c'est normal. Alors, on va vous montrer quelque chose pendant la préparation. Des conseils de Zadoom, un peu le spy qui joue depuis longtemps. Dans options avancées, j'ai désactivé spy activé le menu de camouflage 1. Je vais le réactiver, vous allez comprendre. Bon, désolé pour le léger lag. C'est le camouflage 1, vous voyez, hein, c'est au lieu d'avoir de 1 à 9, vous avez soit 1, soit 2, soit 3. Si je prends 1, bah, vous avez de nouveaux choix entre 1, 2 et 3. Et bah, je vais prendre ça et vous allez devenir soldier. Vous voyez, je change d'habit. Alors dès que vous tirez, vous perdez votre déguisement. Je vais prendre le 2 et je vais choisir le 3, et je suis ingénieur. Vous voyez, je ressemble à Fort LG Chimère. Ça veut dire que les bleus me voient comme ça avec la justice frontalière, mais je ne peux pas tirer. Hein. Et dès que je cut, je perds mon déguisement. Donc je vais revenir à mon chose, donc option avancée, moi j'ai désactivé, je préfère avoir tous les déguisements, je vous remontre. Pardon, excusez-moi, je suis en train de faire n'importe quoi, vous voyez, j'ai de 1 à 9, je peux choisir tranquillement. Ensuite, autre option que j'ai activée et qui est importante, c'est dans option, c'est une touche, c'est pour les spies, dernier déguisement. C'est une touche qui vous déguise automatiquement quand vous appuyez. Imaginons que je cut quelqu'un, je perds mon déguisement. Vous n'avez peut-être pas vu, mais bon. Vous avez toujours donc 125 points de vie. Et vous appuyez sur cette touche et vous déguisez automatiquement en dernier personne. C'est beaucoup plus rapide que aller sur le menu, choisir une personne et voilà. Allez, on va essayer de passer. Sans se faire avoir. Je vais prendre du métal par rapport à ça. Voilà, oulala, ça arrive. Ça semble mal parti. Ils ont une grosse force d'attaque. Ouais, je vois ça. Des heavy et des medics. Hein. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. On va surtout essayer de se mettre là pour attendre un peu. Attendre que ça recharge. Alors, je vais plutôt prendre un G. Essayer de passer chez l'ennemi. Je recharge ma montre, vous voyez. Je vais essayer de tuer le... Vous avez vu que j'ai le temps de saper et de détruire sa sentrie. Je passe derrière, je prends le métal. Hop, tout va être détruit, vous voyez. Alors, je peux pas tuer le sniper. Donc, je vais essayer de... Ces choses. Je vais essayer de tuer le snipe qui est là, vous voyez. Et de tuer l'ingé. Allez, hop. On va essayer de passer. Ouais, j'ai pas pu me faire... J'ai pu... Il campe au spawn. Bref. Hein. C'est très facile de jouer ça. J'ai pas essayé de le tuer parce que il va aller au spawn, il va prendre de la vie. J'étais près de lui, ça servait à rien. Surtout avec la nouvelle arme de snipe, c'est beaucoup plus dur de l'avoir. Là, j'évite de faire le héros. Bon, bah là, je me suis fait avoir par un pyro, hein, c'est l'anti-spy par excellence. Quand vous êtes touché par un pyro, vous êtes en feu. Donc vous pouvez mourir. Je vais essayer de passer. Essayer de passer, vous voyez, je passe là, je vais essayer de passer et d'avoir le sniper. J'ai eu le démo, mais j'ai pas eu le snipe. Vous avez vu, c'était un combat. Hein. Il me poursuivait, donc j'ai utilisé mon arme. C'est une bonne utilisation de l'arme en tant que spy.
Pour les snipers, vous pouvez soit les backstab, soit utiliser votre petit pistolet, c'est bien pratique parfois. Donc vous voyez que j'ai que deux endroits pour passer, hein. Un de ces deux endroits. J'essaye de suivre les personnes. Vous avez vu, je vais taper la petite sentry. Vous avez vu, je me déguise et je deviens invisible. Je vais essayer de... Voilà, vous voyez qu'il a le Razorback, donc je vais essayer de l'avoir. Vous avez vu, une critique à mon pistolet, ça peut être très efficace. Il y a un heavy et il m'a vu. Et ils vont essayer de me check. Vous voyez, j'essaye de passer loin de la zone. Oh purée. Oula, c'est mauvais là. Le spy, il aurait pas dû passer là.